Voilà, on arrive à la place de la Nation. J'espère que ça va pas sauter cette vidéo. Nous sommes point d'arrivée, Nation. Beaucoup d'avenues à la Nation, je le rappelle, il y a beaucoup d'avenues. Voilà. Nassage en préparation. Et allô maman Bobo, je me rapproche de la pharmacie. Mais bon. Peut-être ça peut se disperser dans le calme. Ou sinon, le gaz part un peu, je sais pas. Il n'y a pas de canon en haut déjà. Voilà, nous sommes à Nation. Voilà. La place de la Nation. Le cortège était juste dans les parallèles. Faubourg Saint-Antoine. Voilà. Voilà, et la semaine prochaine, le nouveau gouvernement. Le nouveau gouvernement, comme il respire. Voilà, c'est comme ça. On n'y peut rien. Voilà Céline, on arrive, ça a été vite hein. Oui. Quelle heure il est? La manif s'est bien passée dans l'ensemble, elle n'a pas été violente. Il n'y a pas eu de répression de la part des forces de l'ordre. Il n'y a pas eu de casse. C'était bon enfant. Et les gens, ils ne sont pas trop revendicatifs. On n'a pas de pancartes, de banderoles, on en a très peu. Bah, la semaine prochaine, ils vont avoir des surprises avec le nouveau gouvernement. Le remaniement ministériel, ils appellent ça. Le remaniement du gouvernement. Et on prendra des médicaments. Bah, on les prend déjà, les médocs. Hein. Non, mais... Oh, c'est un peu d'humour dans ce monde de dingue. Oh, ça va être un gouvernement libéral. Et puis, quelques postes qui vont être remis en... histoire d'habiller la mariée à quelques personnes de gauche, les écolos, quelques ministères, par exemple du logement, de l'écologie, du climat, enfin voilà, ça va leur être mis, mais sous contrôle de la présidence. C'est ça. Mais pour barrer une loi, par exemple, il faut qu'il y ait, par exemple, la France Insoumise, plus combien il en faut des députés pour faire barrage au vote. Pour pas avoir la majorité, voilà. En politique, tout s'achète. Ah oui. On n'est jamais sûr de rien. Le français, il a la mémoire courte. Hollande, il peut rentrer. C'est vrai qu'il est député, lui. N'importe qui peut rentrer dans ce gouvernement. Ah oui, c'est ça. Et même des gens de la France insoumise, des personnes, il peut y avoir des accords entre partis politiques, des futurs pour 2027, il y a des arrangements, ils vont s'arranger entre eux. C'est ça. Ils vont faire passer... Donc on n'est pas sorti de l'auberge, nous, le peuple. Non, mais une chose est sûre, c'est qu'ils vont serrer la vis, ça c'est certain, dans beaucoup de domaines. Tu sais faire le budget. Ils veulent déjà voter le budget. Le budget, ils vont reconduire automatiquement. Et puis les grandes lignes, histoire d'une continuité de l'État pour pas que ça foute trop le pays, pour garder une certaine stabilité.
Mais ce qui est dérangeant, c'est que avec tous les castings qu'il y a pu y avoir, il n'y en a pas un seul qui t'a parlé de richesse, de valeur ajoutée, de plus-value. Il n'y en a pas un seul qui te fait bander. C'est vide. C'est vide. Entre taxer les riches, bien sûr qu'il le faut, il faut un rééquilibrage des disparités financières entre les quelques 2-3% qui gagnent des fortunes colossales. Et puis, le problème, c'est que notre économie, notre bourse, elle est basée sur le CAC 40, sur les 40 plus grosses entreprises. Quand on pense que lui, il a quasiment triplé depuis les années 80, et le SMIC, lui, n'a pas bougé. Et par contre, il n'y a jamais eu autant de riches et jamais eu autant de pauvres. Si on va avoir un pays stable et quelque chose d'agréable à vivre, il faut avoir une classe moyenne forte. Et là, il y a de la richesse, on a une balance commerciale extérieure qui est bénéficiaire. Mais là, c'est tout le contraire. Ils ont bouffé la feuille, tous autant qu'ils sont. Nos hommes politiques parlent des riches, mais ils ne parlent pas des chambres de commerce, des chambres de métiers, des pavillons français. C'est tout ce qui touche à l'économie extérieure. On ne parle pas des chambres régionales extérieures. Eh bien, qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, l'autre jour, j'ai fait la manif Paul Watson. Tu sais, le gars qui protège les baleines. Oui, je connais. C'était à la République, c'était pas mal. Et il y avait pas mal de députés qui sont venus. Et moi, je regardais les têtes, je les avais en face de moi, les députés. Et je me disais, j'aimerais pas être député. J'aimerais pas être député. Et pourquoi? Parce que tu peux pas ouvrir ta tronche. Moi, j'aime bien un peu l'ouvrir, même je l'ouvre pas fort par rapport à d'autres. Ils sont muselés, quoi. Ils peuvent pas l'ouvrir. Ils sont obligés de suivre la ligne directrice du parti. Ben, bien sûr. Sinon, ils sont pas députés, sinon. S'ils savent que c'est une grande gueule, ils vont pas le mettre. À ma connaissance, il y a très peu de députés d'opposition qui ont été contre l'avis de leur parti politique. Entre autres, je fais allusion à Théo Vialmassa, qui était communiste. C'était un député de vers chez moi, de la commune de Firminy, enfin dans la Loire et la Haute-Loire. Et bien, ce député-là, il était résistant, communiste, et quand il y avait une loi qui était... Qui ne lui plaisait pas. Non. Une loi qui était mise en place par la droite, si cette loi-là, elle avait du bon sens, ça ne lui dérangeait pas d'aller la voter. Ah, voilà. Et là, actuellement, ils font le contraire. Ce sont nos partis politiques, comme tu dis si bien, la ligne qu'il faut suivre, et on n'en démord pas. Mais bon, tu sais, c'est les carriéristes, la plupart. Et c'est ça, c'est le salaire qui les intéresse. On a bien vu Macron, la retraite, qui les a, il a débauché à gauche, à droite, les écolos, il a fait un peu ce qu'il voulait. Et là, actuellement, c'est ce qui va se passer. Ils vont aller chercher des gars. Je te dis, il va y avoir des accords, des arrangements. Ruffin, lui, je ne serais pas étonné qu'il mange dans la gamelle. Clémentine Autain, ou même Corbière, ou même Garrido. Je ne serais pas étonné côté France Insoumise. Et le ministre de la Sécurité, là, ça sera qui, à ton avis? De l'Intérieur Ciotti, non? Non, c'est lui. Estrosi. Ciotti, lui, il est grillé, lui. Ah bon, Estrosi. Il y en a qui disent qu'ils vont remettre Darmanin. C'est possible. C'est possible qu'il y ait une reconduction avec Darmanin. Les grands ministères, je pense qu'ils ne vont pas trop y toucher. Comme ça, ils vont faire un style, un gouvernement de cohabitation un peu. Ouais, c'est ça, ouais. Des gars qui se... C'est compliqué. C'est une situation qu'on n'a jamais connue. C'est une bouillabaisse marseillaise. Mais c'est la démocratie qui parle. Là, c'est la vraie démocratie. T'as plus un bloc à gauche, à droite, et qui s'arrange, un coup c'est toi, un coup c'est moi. C'est ce qui s'est passé depuis plus de 40 ans. Et là, il va falloir que les partis politiques s'effacent de l'hémicycle et que ce soit les députés dans leur trip et individuellement. Et c'est à nous, les citoyens, qui allons aborder les députés, qu'il faut leur dire non, si c'est toi les bonnes, il faut la voter. C'est pas parce que ton parti ou ça vient de tel bord ou tel bord. Et c'est là où c'est qu'on peut trouver la richesse
des arguments de nos dirigeants politiques à faire accepter l'inacceptable. Par exemple, je prends un exemple, imagine, je ne sais pas moi, tu as un député de la France Insoumise qui dit que voilà, il faut accepter les migrants à un opposant, de, par exemple, du RN, qui est fortement opposé. Il faut qu'il arrive à lui faire accepter que c'est des humains, qu'il faut les considérer, qu'il faut les soigner, qu'il faut s'occuper d'eux, que ce n'est pas des simples colis qu'on transporte comme cela. C'est ça. Eh ben, ça, ce serait beau. Là, ce serait, il y aurait des véritables, mais bon, des hommes politiques comme cela, il n'en existe plus. Donc ils vont être tous à la gamelle, c'est ça ? Qu'est-ce que tu dis, toi ? Ah ben oui, c'est ça. Il n'y a pas très longtemps, j'ai écouté sur Public Sénat une retranscription des débats qu'il y avait eu sur la laïcité. À l'époque, dans l'hémicycle, mais il fallait voir la richesse des arguments et les idées qu'il y avait. Mais là, actuellement, c'est vide. Ah ouais, mais c'est voulu. Tout beau, soit c'est tout beau. C'est voulu, c'est tout inversé. C'est le monde inversé. Voilà, soit c'est tout beau, soit c'est tout noir. Et il n'y a pas de compromission. Tu sais, moi, si tu enlèves l'immigration, l'islam et la sécurité, le RN, il n'y a plus rien. C'est vide. C'est ça. Et à la France, enfin à gauche, si tu enlèves le libéralisme, le capitalisme, il n'y a plus rien. Mais notre société n'est pas faite que de ça. C'est ça. Il n'y en a pas un seul qui sait se projeter sur l'avenir, sur 10, 20, 30 ans. Maintenant, eux, c'est 2030. Le plan se finit en 2030. Ah ouais, eux. L'agenda 2030 de Claude Schwab. Eux, c'est des projections qu'ils font purement électoralistes. Ils ne pensent pas au pays. Ils ne pensent pas. Non, mais il y a une feuille de route qui vient de mondial, là. C'est mondial. Et comment le Barnier, c'était un pro-mondialiste aussi, lui. Oh, ils le sont tous. Hein. Voilà, ils le sont tous. Tu sais, on l'est tous, quelque part, dans la mondialisation. La mondialisation, elle n'est pas nouvelle. Ouais, mais quand la mondialisation fait crever le peuple, les agriculteurs, ils crèvent, tout le monde crève. Non, c'est un autre problème. C'est la répartition des richesses. Encore une fois, je reviens dessus sur l'indice de génie, GINI, ça te donne l'état de richesse de la population pays par pays. Dans les années 80, on avait le Brésil, c'était soit tu étais en haut, soit tu n'avais rien, tu étais en bas. Mais il n'y avait pas de classe moyenne forte. Et nous, en France, en Europe, en Allemagne, en Angleterre, on avait une classe moyenne forte. Il y avait une disparité, il n'y avait pas une dérive financière comme il y a actuellement. Et dans tous les pays, c'est pareil. C'est à nos dirigeants politiques, tous bords confondus, de mettre des leviers, des freins à toutes ces personnes. Ok, tu gagnes de l'argent, mais il faut que tu redistribues. Et malheureusement, avec la complicité de nos dirigeants politiques et syndicats, tous bords confondus, je dis bien, ils se sont arrangés entre eux. Et le voilà dans la situation où on est. D'ailleurs, alors je vais vous faire une annonce. J'ai tourné dans un film. Ah oui ? Ouais. Ah bah vas-y, profite. Alors, sur Netflix ? Netflix, non ? Non. C'est un film engagé, c'est un film documentaire. J'ai prêté mon visage. Ça s'appelle L'effet Bahamas, l'effet papillon Bahamas. Allez voir sur Internet. Ah ça y est ? Il y est déjà ? Ouais, ça y est. Dis-le. C'est sorti au mois d'avril. On a fait la première dans un cinéma. Et c'est sur YouTube, c'est sur quoi ? Ouais, sur YouTube. Redis-le. Effet Bahamas. L'effet Bahamas. Voilà, l'effet Bahamas. Et alors, ça explique comment que la finance et l'État a fait main basse sur les acédiques, sur le chômage, sur toute cette politique-là. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Bah, ma femme est au chômage, on ira le voir alors. Et le titre, c'est sûr, c'est Effet Bahamas. L'effet Bahamas. Voilà. Bahamas, les îles Bahamas. Voilà, c'est ça. Et alors, ça dure un peu plus d'une heure et demie. Ils planquent l'argent là-bas aux Bahamas, toi, qu'est-ce qu'ils font ? Non, alors, Bahamas, mais... et d'ailleurs, attends, vous allez reconnaître pas mal de portraits de manifestants parce que beaucoup d'images, de photos ont été prises pendant les manifestations. Des gilets jaunes et d'autres. Des gilets jaunes, pour l'immigration, pour les retraites. C'est un film qui était difficile à tourner. Il s'est passé en quelques années. Et là, Hélène, la productrice,
qui a réussi son film et qui est maintenant sur les réseaux, il est en ligne. Et c'est un film documentaire qui mérite d'être vu dans tous les bureaux syndicaux et toutes les personnes engagées qui méritent de voir. Qui militent pour les militants. Non, il est réaliste. Voilà, mais nous, les militants, on est là. Les militants, les personnes éveillées. Bon, moi, je vais juste finir aussi là-dessus. Moi, heureusement qu'il y a toi et qu'il y a des gens que j'ai interviewés aujourd'hui. Parce que si je regardais que la télé, je deviendrais dingue. Ah, il faut... Malheur, si tu regardes la télé au mois de janvier, on est dès le 1er janvier, tu regardes jusqu'au 31, tu fais une dépression. Et si tu regardes jusqu'au mois de décembre, tu fais un suicide. Non, mais j'ai pas la télé. La télé, non, c'est mais au moins... Non, mais on se sent pas tout seul, tu vois. Grâce à des chaînes indépendantes et tout ça, les gens, voilà. Tu sais, c'est pour ça que les gens nous suivent tous les samedis. La télé, les réseaux sociaux, Internet, tu auras toujours quelque chose qui va te plaire. Que ce soit un film, un documentaire, un concert, un match de foot. Tu en as tous les jours au niveau de la planète. Tu en as tous les jours, toutes les heures, H24. C'est ça. Non, il faut sortir, il faut s'échapper, il faut reprendre le moi-je, discuter avec les gens, prendre contact avec la nature, avec le beau, ce qui existe au quotidien. Mais t'enfermer dans une boîte avec ton portable ou ta télé ou ton ordinateur ou avec ton casque, t'es complètement isolé, tu ne remarques plus rien. Une dernière question parce que je vais aller voir Jésus. Oui. Hey. Toi en semaine quand tu fais des courses, tu discutes avec les gens, ils en ont marre, qu'est-ce qu'ils te disent? Ah ben je vois, non. Toi qui parles avec les gens, toi qui es humain. Alors moi je parle, je vois beaucoup de gens, c'est vrai, la semaine, je discute avec beaucoup de personnes, on a d'autres débats, enfin pas des débats mais des échanges que politiques, on parle d'art, culture, ah musique, voilà c'est ça. Fringues, tu t'évades un peu, voilà. Faut s'évader le cerveau, voilà, c'est ça. Il y a des personnes intéressantes. T'as raison, faut pas rester tout le temps dans le truc parce que sinon ça. Ben, tout le temps dans la lutte, il faut se faire aller dans une forêt, marcher un peu, faire du bien, voilà. Rencontrer la campagne. Artisans, parler de leur métier, que ce soit de fromage, de boulangerie. Voilà, ben ça. Voilà. Le son est monté. Bon, je te laisse. Allez, salut. Merci. Merci, Salim. Voilà, à tout bientôt.